Wana kwa mbote na vino partout esika tozali mbote encore une fois tozali na ville province ya Kinshasa nasi bo constater komi na lingwala ya mwana komi na Kinshasa ya mwana komi na Kinshasa soke plus loin kuna ozomona ba immeuble ya milai eza komi na Gombe voilà awa Naza na compte d'host de la télévision na émission bolinga mingi vérité plus 643 Nazali na Jacques Kalongi ozali moko ba journaliste na école Congo démocratique journaliste professionnel bien sûr et puis moko ba analyste politique tozui et tous au moment makansine mugi par rapport à ozoko le galambo na biso Congo démocratique mais c'est Jacques na pisi mboto mbote mingi d'osta pe mbote mingi na bande de pognon so baza skoti na d'osta j'espère que santé zali malamu ouais ça va COVID-19 zali. On se protège, bah, geste barrière, caca, et puis voilà. Nous avons besoin pour nous aider à nous aider à nous aider. Bonne nuit, c'est mon canal presse. Tu as mon canal presse, Nicolas, il y a mon décagné, ma solo. Donc, aussi, Biwa. Non, je crois que nous avons besoin de conseils, il peut être un binôme. Les téléspectateurs, surtout nous, de la diaspora, ils sont trop sévères. Comme la radio, je dis, mon nom, il y a son, mon nom, il y a même la présentation, la façon de faire au Salam Moussala, je crois que ce qui m'a commis, tout ça qui est pour répondre directement et puis te mettre un mot en pratique. Donc voilà un peu ce que j'ai un mot pour Yoka Batouli, mais pour ça, les là. Désidérata, tout ma canne ici, y a bateau, basa, pour consommer une chose, y a un gouana, et puis respecter simplement le principe, y a métier, déontologie, éthique, professionnelle, ben voilà ce que nous sommes en train de faire. Les deux jours, sur la dose de la télévision, nous avons vraiment ma canne ici, par rapport à l'actualité, les gens, les gars. 5 mois après, Martin Fayulu m'a dit, na équipe Nenion, soit Adolphe Mouzi, le coordinateur actuel, y a la Mouka, na Ndombasi, Ados Ndombasi, bah, tu kozonga, na temps moulaï va passer na États-Unis d'Amérique pour na mamba ba COVID oyo et tout le monde entier bazongi na Kinshasa. D'abord absence na bango, est-ce que ezaki remarquable na scène politique ya Congo? Absence ya Fayulu c'est tout à fait normal hein. Fayulu azana créneau azana na base na ye Fayulu aza parmi les acteurs populaires ya Congo déjà depuis l'élection en 2018 pour bazobenga le président élu na ba partisan na ye je crois que Asali Congo azana batou et je crois que c'est normal muto aza leader sauf aza sur place était effectivement batou ya ye to biso sa ka démission to mona ka chaque batou zo tuna Fayulu azawapi mosito azawapi Ados Ndombasi azawapi donc batou baza ko s'identifier na bango nécessaire de se questionner pour poser la question par rapport na bango donc absence ya Fayulu effectivement et zala ki pe remarquable seulement dernière sortie marche au terrain Salim Awa. Présence il y a Jean-Pierre Bemba sur le terrain. Voilà, présence il y a Jean-Pierre Bemba sur le terrain au NBO au terrain que ça la marche Awa. C'était pratiquement une première sortie à Jean-Pierre Bemba après un long silence ndenge depuis l'élection et l'équipe depuis Sainte-Thérèse meeting à Salekuna. Alors, et ça la qui sous que et la kisaki que ezali sous ma bateau yo leadership nous sous na kati ya la muka o ye batami et bon mama qui est un peu enveilleuse voilà donc et renforce qui les sous situation alors ce qui aujourd'hui Jean-Pierre Bemba salaki que ko za o Martin Fayulu salaki bref to tient mon paquet moko ya la muka en fait c'est dit que la muka c'est quand même une force les lots o yo photo compter yango parmi ma force politique ya avant le retour à Fayulu to tiko loba to tiko landa o lobby phrase moko no lobby que non Martin Fayulu m'a dit du président et lui selon ba partisans il y a parti politique mais bon c'est l'un yo azaki élu ou les contraires non je crois que naza journaliste naza na obligation wana ya représenter bato pas fait or le fait ezali que République démocratique du Congo lelo je par exemple to zwa simple ezali ce qui bana bosa la tena peuple le examen ce batu bango qui est le président de la République démocratique du Congo parole banine baroyate non selon canal presse selon Dosta TV non par peut sa réponse le président de la République démocratique du Congo Congo la ye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yende o ba proclamer qui bien que na ye moko Félix na biso population nous avons des choses à dire par rapport à la proclamation et au résultat. C'est vrai que l'élection s'est remise dans une sécurité. Seigneur Salaki Moussa n'a pas comme il se doit. Martin Fayulu s'est toujours proclamé président élu. Donc je crois que
que Batunyo se va soukissami que l'élection est entachée dans l'irrégularité moko gravissime. Mais seulement, nous devons regarder la réalité en face. Ce qui est là, la réunion est alliée à l'international et que la République démocratique du Congo est celle qui les a représentés. Et bien, c'est Tshisekedi qui représente. Bien qu'il y a débat, bien qu'il y a polémique, bien qu'il y a des choses à dire. Donc, je crois que c'est un peu ça la vérité factuel ou est-ce que l'utopie ça y a Mwana, il y a d'un côté un président sur le plan de droit où il a proclamé, mais aussi sur le plan il y a réalité politique, il y a un beau cannabis, il y a aussi un autre qui se réclame aussi président et lui voilà un peu nuance que devons apporter y a Mwana. Voilà, retour à Martin Fayulu Madidi. Il a montré qu'il n'a qu'un certain nombre Mwana qui a atterri à l'aéroport en Djili et puis a se dirigé vers Sainte-Thérèse. Donc tout le monde retour naïe. Atterrissage naïe, na meeting naïe. Oretenakini. C'est quelqu'un qui a une bonne santé politique. Je compris que Martin Fayulu a une bonne santé politique parce que foule. Parce que là, on était dans la foule, on a vu la situation, on était à Sainte-Thérèse, on a vu comment il a presté. Et ben voilà, donc santé politique naïe est normal parce que communion naïe na population. Na ba ancien électeur naïe na bato baza ko soutenir la population kinoise, et ben ils a toujours il y a ko sangana, il y a ko kangama, donc c'est tout à fait normal, il se porte bien, santé politique naïe et joke malam. Quant au discours, c'est vrai, c'était un Martin Fayulu beaucoup plus combatif. Par exemple, extrait la phrase à Zoloba, ce qui t'a dit changement, c'est que tu n'as pas le peuple. Toko assiéger palais du peuple. Donc ce sont des discours à yena style wana ya Martin Fayulu combatif par rapport peut-être il y a un Jean-Pierre Bemba a opté peut-être pour style moko doux. Il y a discours na ye un autre discours républicain et pas il y a Moïse Katumbi. Bref, on a compris que il y a une sorte d'opposition topé, j'allais dire opposition plurielle, hein. Donc différentes tendances. Mais dans quatre éléments comme moko, il y a la mouka. Donc la mouka lelo, ils ont un courant. La mouka lelo, ils ont une tendance. Donc mutu, ils ont un mode opératoire naie, ils ont un style naie, ils ont un cachet naie. Et voilà comment ça marche. Donc on a un Fayulu très agressif, très combatif. On a aussi un Moïse Katumbi républicain. Donc quand il faut applaudir, quand il faut condamner. On a un Jean-Pierre Bemba un peu au milieu qui joue à l'apaisement et puis voilà. Donc je crois que ma tendance ouana et cela qui s'appelle pluralisme, topé esprit pluriel oesa la katia ya la mouka, ça c'est encouragé et les gens avec des nuances comme ça. Mais ils acceptent de vivre ensemble, de tambourer ensemble, de bengama na la belle moko la mouka. Donc je pense que ça quand même une paix à la démocratie. Merci beaucoup monsieur Jacques, mais disons que zoka awa et sengeli ba fanda ba kutana ki je crois une ou deux fois na centre inter des diocésains comment dire ba tendance confondue to lo ba une partie de la société civile bande ko la mouka bazala ki représente tout monde qui fait lui moka zala ki musitu na bande ko musitu moni bazayi ba na konza MLC na été soit représenté ki ayi na konza société civile ou MLC to mona ki ngamba ba sango to lo ba entre parenthèses société civile mais FCC na cash va répondre. Alors, kuna d'abord tout le bas, nan ezaki initiative, il y a rencontre wana et puis bakende ko sala ni ça pour traiter de ça. Parce que ngongo forum de haut niveau sur les réformes électorales en République démocratique du Congo, initié par centre de recherche et études politologiques à l'université de Liège na Bruxelles, la Belgique. Où ils ont pratiquement représenté le professeur Bob Kabamba. Bob Kabamba, qui est professeur congolais, mais c'est vrai qu'on a l'université de Liège. Alors, Bango, il y a mon professeur Kabamba, mon co-organisateur à l'OBI, ils ont un cadre de réflexion. Ils sont scientifiques, ils sont familles, ils ont réfléchir simplement sur les réformes électorales dans le cannabis. Et puis, ils ont une recette dans Bango, ils ont remettre dans l'acteur politique, ils ont un conseil de Bango. Ouverture de samedi lundi, mais malheureusement après le lundi mardi va suspendre les travaux simplement parce que bateau yotangi bayaki sauf bandeko ya coalition FCC cash va mon en a quitté. Alors bango bazolo banini ce qui est au ici ba maloba na bango balobi est loko moko bango problème est ça qu'on s'est posé dans niveau ya cadre, c'est à dire oui aux réformes mais où et comment, c'est à dire bango ba limiter
réforme et ça les banda y a des institutions fait ça les mana quatre y a des institutions pour la banque institution c'est le parlement donc faut pas ça la couna Martin Fayulu on a ceux qui parlent na bande quoi la muka bango balobi non bango zo basango basu SSC basu Senko basu basa l'ensemble basa crédible selon bango bafandi ba organiser eloko wana il fait ça le niet to kobimisango libanda te to se longa na kati ya ba institution na biso les 13 personnalités pe bango baza na kati institution mais ba bini ba beti moins loko na mo libanda ba on mo le rôle institutionnel le rôle extra institutionnel donc voilà un peu comment tableau exact s'est présenté alors professeur Bob Kapa Mari va suspendre ba travaux ya forum wana pour na ko luka ko tenter d'obtenir consensus c'est-à-dire pour mettre tout le monde d'accord pour ba kota na kati ya bateau et puis ba continuer exactement ngé Edem Kojo à celle qui à l'époque avec cité de l'Oya ba sango pe à celle qui on a likambo ya Saint-Sylvestre donc le problème se trouverait à ce niveau-là on est premier obstacle c'est-à-dire le vrai débat est là le vrai débat c'est que la RDC a besoin de réformes surtout électorales. Tout ça a besoin d'un gros. Presque ma question sont parce que je jurerai pour la réforme. Mais le problème c'est qui va le faire, comment et où. Bah tout le monde sait pas qui c'est malobi. Bah au moins à ma B, n'engue centre de recherche et université à Papaya. Paye pour récupérer situation où on a pas. N'engue seulement la université. Tout ça n'a pas centre de recherche la Bisso Awa et Belé. N'engue dans la université à Kinshasa et Belé pas centre de recherche de Zawana. Pourquoi pas Rosa la moitié. Pourquoi Baba Paye? Alors, il y a une internationalisation, il y a un débat congolais. C'est-à-dire, tout ce qui est il y a une réforme, il y a un Baba Paye, il y a parce qu'il faut le Kolovaki Forum, il est appuyé par l'Union européenne. Donc, voilà un peu comment ça se pose. Il y a une raison, il y a professeur Kabamba. Bon. Azam moko ya bateau d'ailleurs ngongo na ye bani mingi parce que les gamingi na radio Kapi asala ka analyse na dialogue entre congolais lo baro bra sur la position ba discuter peu de fois ba partager plateau na ba acteur politique et belé que ça soit UDPS que ça soit ya PPRD ya FCC alors na ba discussion wana a pesa ba mécanisme moi belé alors ezana mutu na mutu a joye na ndenge na ye ba dosu ba lobi asa pembeni ya pouvoir monsieur ba lobi asa pro Kabila monsieur ba lobi asa pro Tshisekedi et ça dit que mutuana oyo mutuna mutu bane ko mona na ndenge na ye ba latse ba kache moko boye a comme arbitre ça dit yenda ko tele mala tribune a sangisa ba tenions ba dosu ba lobi non biso to ko ndi mayete pour ce Kabamba pour asa kana biso na monsieur ba lobi non biso ndi mayete pour asa kana ba tuana. C'est comme si Elongi Peya, professeur Bob, ils ont posé des problèmes. Hein? Il y a crédibilité, il y a étiquetage, tout ça. C'est un professeur pertinent, un analyste d'ailleurs, je l'appréciais beaucoup. Surtout sur Baza Plateau, moi, on a Philippe Bioya, de heureuse mémoire, à Waza, sur la Bissoté, à Sakenda. Sur le Bakaboli Plateau, tu sens que tu apprends beaucoup de choses. Mais seulement étiquetage, on y a sa victime, Mengo. Et ce monde dans le local a mieux placé pour jouer rôle. Voilà un peu comment la situation se présente et on est bloqué jusque-là, rien n'avance. Mais le vrai problème demain, on a besoin de la réforme dans notre pays. Voilà, tu as une parenthèse, tu as une parenthèse, mais dans le Congo central, il y a de cela deux semaines passées, na tombe, il y a le premier président RDC, mais c'est, papa Kasavubu, fait président Kasavubu, tout le monde est IDPS. Il continue à faire la tombe. Ba bengani bato ba kengela ka tombwana donc to ba mozolé ba tie ba photo à Félix Chilombo ba tie ba drapeau à IDPS ba sali ba incantation na ba ke monsieur Jacques moi commentaire par rapport nango est-ce que dans un pays sérieux ba tu ba courir au ça ba incantation et pas ya muto ya komba munene loko la président Kasumbu ko asse ba mboka oyo sans problème to wono zo tuna na la pesa point de vue na Kindox comment ça. C'est de la sorcellerie simplement. Ils ont une pratique fétichiste, une pratique surnaturelle. Oh, yo. Et on n'a pas su mener une analyse beaucoup plus objective. Non, on a dit c'était moi commentaire. Moi commentaire. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Tout ça, on a une loi dans le cannabis. Et ça, c'est un peu comme ça. Même les tombes, ceux qui le longent, ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Ils ont un tombe. Ils ont un outrage. Ils ont un sacrilège. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire que c'est Kasavubu, c'est Laurent Désiré. Non, non, non. Même yanga et si kaba kundanga ata batiango na mwali bulu moko boye et ça na mona forme te Pierre Tomba les athées mais je droit au respect
nazana droit pas respecter sika wana papa oui nga sika na kumbie asa président de la république était simple policier simple soldat mais et sika akufi soki na ke kota la ngo je exige je sais que est à la propre et puis papa te la yenenge sengali et a forcerie na moto akabiki sona kati ya bon dossier aux autres soulevés na koki ko kangisa ngo na dossier ka sumbalesi OK oyo certains qui se disent de début de PS bazo benga yango base bilanga ya kasumbalesa na okatanga oyo bazo ko shoba ba taxe bazo ko yembisa bato ba himne ya UDPS ba bloquer circulation et aura une déclaration officielle ya UDPS au distant kabou ya ba yebi bangote mais est-ce que ça vrai que ba yebi bangote mais mon conseil le ba yebi bangote si ko biso to conversationnel muta général UDPS au quotidien ye wana le ba yebi bangote C'est ce qu'on doit faire aussi dans le Congo central. Bateau va qui est blasphémé la carte ya tombe ya premier président. Bakangabango, s'ils sont identifiables, Bakangabango, je ne vois pas Étienne Tshisekedi avant de mourir. Aïe, Misa Bato, le rôle à testament, Nana Okoufa, Boko no Saranara na Batombo à Bat. Non, et ça l'a maraté. Kassavubu, c'est un grand leader à Bako Lelo. Il s'allie quand même, Bato va s'identifier, Naïe Basali. Tombe pays à Tshisekedi des alliés. Ce qui effectivement va s'appeler la bataille de peste, et je doute fort. Ce qui va s'appeler la bataille de peste, et que Batoua, qui est au sacan la mausolée à Tshisekedi. Bah, on va se faire. Et ma preuve, ils ont dit parce que Batoua va photo à Félix Nakatia. Mais Tshisekedi est vivant. Kassavubu a Koufa, plus de 40 ans. Nous avons une photo pour nous vivre. On retient un mot, il y a un valve. On va créer un grand tombeau. Et c'est l'eau, on est malin ça. Et ça musée. Nous avons une photo pour nous vivre. On va bamba un mot, on album. On retient un mot, on a un grand tombeau. Parce que c'est intelligent. Et on a émission de la vie de Boyo. Et ça, c'est un autre malin. Et ça, on voit aux autres, on a un débat sur Kindoki. Voilà, famille à papa Kassavubu Bazolanda, maman Jessine Kassavubu très fâchée par rapport à comportement. On a parti à Belgique, un mot peut-être à réconfort na garnaï de maman, papa. Moi je veux seulement dire à la famille Kassavubu, Kassavubu d'ailleurs a sa suya binoté, Kassavubu a sa patrimoine pour Namboka. Donc, quand on a dit non, il y a bien ce qu'on a dit non. Ça ne peut pas se faire, c'est inadmissible. Même et le maréchal Mobutu, ce qui va y en aller, personne n'a le droit, blasphémer, pour outrager. Nous sommes le maréchal Mobutu. Personne ne peut le faire. Moutoulos à Ganamabé, Mosolé à Laurent Désiré Fandia. Yogi Mouta, à Tatoua à Nakanda, Batoua, Moutoua, un discours, on est sur Laurent Désiré. N'en est-ce pas, on va bien. Donc, maman, bon s'apaiser, problème, on est à binou et famille. Et ça, problème, il y a toute une nation. Bissonion, pour saluer à ta mémoire, il y a le premier président, la Bisson Kassavubu, Botique, la Bisson Ergo, Bisson Mokotoko Lobengo, et on va condamner jusqu'à la dernière énergie, Atoana barbare, Atoana primitif. Autant dit jamais pour encourager. Ne vous en faites pas. C'est le problème de la nation. Et j'interpelle ici l'État congolais à s'amener à saluer hors de la Kassoumbalesa. À Lukabato, n'a pas qu'à Bango. Merci beaucoup, Ndeko Jacques. Tu es un peu comme ça, diaspora. Mais c'est honoré une bande. Nous avons beaucoup à Toumba, en particulier, les bandes de diaspora. Nous avons représenté Nini pour combattre les problèmes. Et nous avons tout mis en bande dans le courant démocratique. Une expertise sérieuse pour la cannabis. Et ça, la banque de données m'a cassé. Parce que ça n'a pas de révélation, nous sommes sur. Chaque fois, nous sommes en réalité, nous sommes en train de voir la moissonne. Mais ça n'a pas donné, nous sommes sur. Il n'y a pas de connaissance à la diaspora. Notamment, honorer Mbanda et finalement, la connaissance à Pareco. Je crois que l'Arabie sur ma casse. Je souffre quand Apareko donne l'impression que mon arango toujours comme un mouvement subversif, un mouvement et une banda, Oyo, qui n'ont pas droit à la cité. Moi, il y en a Congo, exacte, parce qu'il y a des banda. Moi, je souffre. Toutes ces intelligences-là, ma yé le wana nyonso. Oyo, il y a un éclairage à battre.
balkanisation mboka na biso er mo biso mo to lobaga er mo to lembi na biso er mo to lobby er mo on doit comprendre to comprendre mais bango ba soi yango toujours ben lokola kuma na bango ba telemisi yango ba za continuer avec ba donner ba opesa so ba de passa pa na mboka kuma na bango isa kuma na biso to lobaka jamais langage différent. Combat na bango pona intégrité ya mboka na biso. C'est le même combat oyo congolais même beba ou chokota masiko. Azo a confessé même loko wana, credo wana. Donc moi je pense que ebazamba to yo, je l'ai toujours dit d'ailleurs na micro na yo, président de la République Félix Tshisekedi. Oyo ka sonke. Honoré Mbanda, c'est une intelligence. Honoré Mbanda, c'est une compétence, c'est une expertise au-delà de tout. Je ne parle pas d'un Honoré Mbanda ange, jamais. Parmi ma ange, la tigre, le roman est ange. Je ne parle pas d'un Honoré Mbanda diable, azaga démonté. Mais la zone bana Honoré Mbanda comme Congolais, ex-Zaïrois, ou azana malamu, pe azana mabe, mais azana ma yele ou akoko pe sa ponambo kanabiso. Donc, moi je pense que c'est pas quelqu'un autre pour garder la musique. Papa Honoré Azopola, ange kepe na musique makasi. Alors, le lo lobi toro la la tolamuki via azate. Toro salani. Kengo adonda komen biso bali, nan azo somba matan. Mbanda komi bali vobele, nan azo somba tan. Nous sommes tous les deux fins dans la note, nous sommes tous les deux fins. Mais moi, je pense que la meilleure des choses, c'est que tout soit mal à moi que vous n'allez pas naïe. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit. Au-delà de tout autre, on peut rappeler sur Mbanda sur son passé, parce que nous sommes champions, on rappellera pas passé à battre. Mais le plus important, au stade actuel, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Bisous de l'homme Moutassika Zata. Bisous de l'ancien MP, de l'ancien Kader, de l'ancien JMP, de l'ancien. Ça dit, tu n'as pas ta génération, mon robot. Mais l'homme Moutra Moutou a mis actualisé, a mis réinitialisé, n'est pas en informatique. A mis Zongisi par rapport au contexte actuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de bon? Moi, je plaide, pas seulement pour honorer Mbanda, expertise union sur les années Mbanda dans la diaspora, où il s'appelle Katia Mboka Awa, président de la République, à revoir ma tactique, à revoir ma stratégie. Nous n'avons qu'un ennemi, un seul ennemi commun, et ça, ma impérialiste, au bas de la communauté Mboka Nabisso. Mode opératoire Nabango va fragiliser la classe politique Nabisso. On dirait que c'est une drogue, on dirait que l'on monte au Mela, et ça la biso le rôle à Bongo, moi bien dé. Alors, il faut biso, tu es un ennemi, et ça n'est pas un to sangisaba makasi na biso poto bulisa nemi mboka na biso ezonga yango moko to kolisa classe politique na biso. Ben moi je pense que les choses je suis très trop optimiste makambo ko bongwana et ko changer na kati ya mboka na biso ne négligeons personne. Ezala bato bazaki pembe na Kasavu, ezala bato ayi pembe na Lumumba, ezala bato bazaki na Mobutu, ezala bato bazaki na Laurent Désiré, ezala bato bazaki na Joseph Kabila, na bo baza sikol soki to sangisi makasi na biso lisanga le tokotonga me soki to kabwani eloko mwa malonge kosalema me te oti kolanda na yebi soki olandi yango kulutu na ngai kolege na yo Mike Mukebayi a ville pande Honoré Mbanda a ville pande Boketu a ville pande président national ya CCDP monsieur Odombo a l'occasion de rien pour na yeba koko critiquer Fayulu te. Nous avons critiqué Mobutu, nous avons critiqué Kikanambe, nous avons critiqué Laurent Désiré Kabila, nous avons critiqué Tshilombo Lelo et Fayulu Aza intouchable. Par rapport à Yango, pourquoi commenter nous? Bon, je n'ai pas suivi. Natinde Lyon, monsieur Ango, vous en mettez en place. Il y a Neko Mukebayi, le député provincial Nabiso et Kinshasa, d'ailleurs, il y a Lingwala, ainsi qu'à Rana Zali. Donc, je n'ai pas maintenant. Sens, il y a attaque na été topé, il y a maluma na été, je le dis avec beaucoup de réserves, mais seulement là on a la zone là, nous n'avons aucun, même maman qui veut que baywana, ce sont des intelligences tout ça vraiment la personne là bango. Donc tout ça n'a besoin qu'on dit qu'à mutu pemenité qu'on mutu pemen eza la Fayulu, eza la Bemba, eza la Mbanda, eza la Mukebayi, eza la Daniel Safu, Tambwe Eliezer, Ados Ndombasi, Vuanga Kristen.
nyonso wana dosta biso nyonso na kati ya bato moko je pense que tokotonga mboka on soki to ngito bundisa ennemi moko moni biso atona bakuluna soki bakuluna baya atangana to roka na kate mais to roko kate na nzete pour te faire face à bango donc nous avons un ennemi commun. Tolkene la distraction te moutounion soit nécessaire na kati ya mboka on je te le dis moutounion soit important. Cet esprit à unité, ce qui te sangue si yango. Parce que dans le moment, ce qui te bandit qu'on s'attaque, Dosta Zamabe, Moutoutel Azamabe, Mbekotel Azamabe, Fayoulou Azamabe, Bemba Azamabe, Tshisekedi Azamabe, Mbanda Azamabe, Daniel Safou, Mike Moukeba Azamabe. Pendant ce temps, et que ferons-nous dans la Bangoula Nabisso? Non, moi je pense que Tokwe est la distraction en la terre, Tosangana, Tosimana Loboko, ma boko sur les salutés, tous pour les gens, on a pas gelé, on a pas pessimisé, tous simbana les sous, tous bumbi ça ennemi, pas ça non. Je ne pense même que, je ne pense pas que des Komukebai avoir aux analogies, avoir exclu ou mal des Komusus. Non, mais seulement, as un esprit on a tous sangana, mais on peut avoir des différences. Tu vois qu'aux anabanios, mutom tazan a n'engna soit bordé les macamunaye, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire forcément que tu es inani, tu es sur bande côté. Non, je ne le vois pas. C'est quelqu'un que je côtoie, c'est quelqu'un qui est Nayoka Kayemingi. Je ne le vois pas réfléchir dans ce sens-là. Mais seulement acceptons que mode opératoire, il y a Mbanda, et que vous avez un mode opératoire, il y a Fayoulouté, et que vous avez un mode opératoire, il y a Moukebaïté. C'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences entre Bango, Nayambaye plusieurs fois, mais il arrive le moment où. Moukebaï dit presque la même chose que les autres. Dit presque la même chose que Bato Oye, Azako, Azana Bangote, na courant Moko, Azo raisonner presque les mots na Bangou. Ça peut arriver sur certaines questions, on peut voir les choses dans la même direction. Mais il ne peut pas arriver que Yosomon a dit que et ça la bande de Kobasa Pembe, il y a Nekongbanda. Il faut qu'on finisse Martin Fayoulou. Ce cas là qui est proche de Bango en termes de idées et que le lot aligne sur la direction. La politique étant dynamique, mais laissons-le. Il y a une vérité qui est dans la vérité. Tout ce qui est dans la bande. Ce qui peut battre, ça n'a pas Fayoulou. Ça n'a pas raison de s'attaquer sur Bango. Vice versa. Voilà. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, Moutoulou Mtaza libre. Mais là, on a dit qu'il y a deux ça, mais il y a une faisabilité, je peux voir ma direction, la direction, la direction. Donc, moi, je vais positiver les choses. Dans ce moment, on a le finger, le haine, le rôle pour. Non, non. Les gens sont sans mais on peut avoir des divergences. Merci beaucoup, Ndeko Jacques Ndeko, encore des bisous, interview. Ndeko Azo, l'Anda Bisou, peut-être, et moi, le Basuka. Pour n'avoir qu'à boire naio et puis au plus numéro na téléphone c'est comme dans ces pays na réaction na auto ou encore à seulement par remarquer à mes amis qui contactent. Merci d'abord une belle opportunité aussi bien d'ailleurs à bien de vrais potos échanger ma solo y a beaucoup à toucher naio to discuter et nous bande un micro et na micro donc nous sommes et ça les marques j'encourage d'ailleurs pertinence oyo et Zaranado TV. Hein, ma question à Bordaga, ce sont des questions, je l'ai dit en journaliste, ce sont des questions tabous. Oyo, très souvent dans ma plateau, on a vu ça, au Zakate, même dans ma chaîne, on a vu ça, on a signal. Mais yo, le rôle de la signal était au Yobakayango. Mais moi, j'encourage ces courage-là, aux Anayango, beaucoup de respect et je m'incline dans Moussala, aux Anayango. J'encourage d'ailleurs, dans les courants. On a vu ça, va continuer pour ça la confiance, va s'abonner, va bien gaver, va tout source, va continuer à bango, la Dosta TV, vous allez le comprendre comme malam. Numéro ici, yebani na yango, 0 plus 243, 090 642 0091, 090 642 0091, voilà. Ce que benga WhatsApp na yango, on rejoindra directement et on va échanger. Et aimons le Congo. C'est tout ce que je peux dire. J'aime ce pays et je suis fier d'être Congolais. Nous sommes en Gawa. Nous avons changé leur moralité. Je suis fier d'être Congolais, d'être Zaïre. Merci beaucoup. Je m'appelle Messager Kalonji Azali. Mon corps va journaliste de l'école au Congo démocratique et analyste politique. Merci Bolandi. Ma question est à qui on va répondre. Merci pour l'opportunité. Merci pour la fidélité. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Ciao.